Bounce les filles. Anything you believe you can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Aujourd'hui, vraiment, je vais vous donner la routine ultime. Ça va prospérer tous ensemble. On va mettre le maillot fin, tous ensemble. Alors ici, je saute l'étape de la préparation. C'est vraiment propre à chacun, mais de toute façon, voilà, vous verrez bien dans la vidéo ce que j'utilise pour l'exfoliation. Il faut savoir qu'il faut faire la préparation quelques jours avant de débuter tout le processus pour faire en sorte de retirer tout ce qui est peau morte et tout ça et commencer sur une bonne base. Alors, Gloria, qu'est-ce que tu utilises actuellement et est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé, j'utilise chaque fois ça, Nat, tout simplement. C'est une cire que j'aime vraiment beaucoup et je vous en ai déjà parlé tellement de fois, que ce soit en story sur Instagram ou alors dans mes anciennes vidéos, etc. Et il faut quand même faire attention à la cire que vous choisissez, tu vois, c'est pas n'importe quelle... Tu vois, il y a des gens, ils voient simplement cire, ils disent ok, c'est bon et ils tapent ça là-bas, tu vois. Et après, quand tu nettoies, tu vois que... Il faut vraiment faire attention à la qualité de la cire. J'aime beaucoup parce que ça prend vraiment à la racine, non seulement ça, et en plus c'est super idéal pour les poils assez frisés. Des fois ils sont un peu plus durs à retirer tout simplement que les poils beaucoup plus lisses. C'est super simple à utiliser, mais après il faut quand même avoir de l'expérience, tu vois. Dans le sens où la première fois, ça va peut-être bien se passer, ça va peut-être mal se passer, mais au moins tu vas découvrir comment utiliser le truc, tu vois. Et c'est vraiment, je dirais, peut-être après plusieurs utilisations que vous allez maîtriser le truc. Donc il ne faut pas être découragé. Au départ, vous en aurez partout et tout ça. Ou alors même quand il faut tirer, parce que c'est... moi, avant, quand j'utilisais ça, et encore un peu maintenant, c'est genre je transpire, tu vois ce que je veux dire? La loupette, elle ne nous connaît pas. Et on va la botter, la mastiquer, puis on ramasse la cuillère. Elle ne nous connaît pas. C'est genre il faut un certain courage pour retirer et tout ça, mais je le fais quand même parce que le résultat vient avec. J'aime beaucoup aussi parce que ça prolonge la repousse comme pas possible. C'est genre ça reste neutre pendant un bon moment. Après, bien sûr, ça dépend d'une personne à une autre. On n'a pas tous la même pilosité. Après, il est un peu difficile à avoir. Vous pouvez commander ça sur Amazon, mais Amazon d'Angleterre, tu vois, le UK et pas Amazon Europe. Ou Belgique, ou France, ou je ne sais quoi, tu vois. Après, il y a même au-dessus de la cire, et peut-être que je testerai un jour, qui est le laser. Apparemment, après le laser, c'est genre tous tes problèmes, tout part avec. Le truc à faire, quoi, tu vois. Donc, peut-être un jour, je le ferai. Après, il y a d'autres personnes aussi qui recommandent la tondeuse, et apparemment, c'est très bien pour elles, etc. Il suffit, en fait, de tester et de voir ce qui vous correspond le mieux. Moi, je trouve, personnellement, que l'épilation, ça compte beaucoup, mais ça ne fait pas tout. Ce qui fait vraiment tout, c'est la post-épilation. Donc, ce que vous allez faire après l'épilation. Ça, c'est ce que moi, je fais. Alors, je prends un petit coton et j'applique le Skin Doctors. Ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Parce que ça, ça me sauve vraiment la vie. Après, vous avez un autre flacon, une autre marque qui s'appelle Tender Skin ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est exactement pareil que ça, en fait. Moi, personnellement, j'ai testé ça et voilà, ça commence à se terminer. Hein. Donc, je me suis dit que je testerais autre chose. Donc, je voulais tester le Tender Skin. Et donc, j'ai regardé au niveau des ingrédients et c'est limite pareil, quoi. C'est pareil, donc ça ne sert strictement à rien. Si vous n'exfoliez pas, vous aurez tout ce qui est bouton. De toute façon, vous allez sentir que vous devez exfolier quand ça va commencer à vous gratter et tout ça. Là. Ça... C'est pas dans notre vocabulaire. Tu vois, les affaires de... Non, c'est pas dans notre vocabulaire, tu vois. On doit quitter 2021 en ayant une épilation sans gratti-gratta. On refuse ça dans nos vies.
on exfolie les gars. Ça, c'est une exfoliation qui est chimique. Et c'est très, très important parce que c'est, je dirais même, plus effectif que l'exfoliation manuelle. Pourquoi est-ce que je vous recommande l'exfoliation chimique plutôt que manuelle? Pas vraiment, je vous recommande les deux, mais de toute façon, je vous expliquerai par après. C'est juste que, par exemple, quand vous aurez des petits boutons, eh bien, ça va plus les irriter si vous utilisez une exfoliation manuelle, par exemple, du sucre avec du miel, vous voyez le mélange que tout le monde fait là. C'est vrai que ça peut être efficace, mais il faut faire attention avec ça parce que ça peut vraiment aggraver la situation, surtout si vous avez de gros boutons et tout ça. Je vous recommande plutôt l'exfoliation chimique parce que vous n'allez pas, du coup, tu vois, forcer là-dessus et irriter la peau. Donc, comme je l'ai dit, j'alterne entre l'exfoliation chimique et manuelle. Ce produit-là, du coup, je l'applique, on va dire, deux fois par semaine. Donc, on essaye d'en utiliser sans pour autant en abuser. Mais ce que j'utilise personnellement tous les jours pour en bas, et je n'ai pas de problème, au départ, j'avais quand même un peu peur, même si j'utilise le savon noir pour tout mon corps, je me disais, je ne vais pas me focaliser sur cette zone-là tous les jours, tu vois. Mais personnellement, un savon que vous pouvez utiliser tous les jours, c'est le savon noir, mais la variante qui est le Amonche. J'en ai parlé sur mon Instagram, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont suivi, on va dire, la mise en ligne, etc., l'explication et machin, sauf les personnes qui me suivent sur Instagram. Allez me suivre là-bas, moi je sais pas qu'est-ce que vous faites, allez me suivre là-bas, ok. C'est vrai que je ne poste pas tout le temps, mais je suis là. En tout cas, sur mon feed, je suis là. En story, j'essaye. Je ne pourrais même pas dire quelle est la différence entre celui-ci et celui-là, et lequel est Amonche, lequel est savon noir tout court, le classique. Parce qu'ils sont assez ressemblants. C'est juste que celui-ci est un peu plus clair. Après, bon, je suis tombée sur un mauvais exemple parce que celui-ci est quand même assez foncé. Mais si vous regardez bien le Amonche, c'est vraiment super clair comparé au savon noir. Ça a exactement les mêmes propriétés, mais ce n'est pas la même composition. Le Amonche, en fait, est beaucoup plus hydratant que le savon noir. Donc, c'est super pour en bas. Parce qu'en bas, il ne faut pas assécher ça. Si vous asséchez ça, c'est là encore, ça va encore plus vous gratter. Vous aurez toutes sortes de trucs. Ça doit rester le plus possible hydraté en bas là. Surtout après l'épilation. Parce que normalement, c'est une zone où, désolé de dire ça de manière brute, mais voilà, c'est ce que c'est. It is what it is, tu vois. Il doit y avoir normalement des poils là-bas et vous avez décidé de retirer ça. Donc, c'est à vous d'en prendre soin et de donner la protection que votre peau en bas a besoin. Donc, bien évidemment, celui-ci vient de chez Diapathé. On a fait une petite mise à jour avec le petit machin ici pour pouvoir l'accrocher. On met nos idées, etc. Et finalement, ça se concrétise et on l'utilise. On se dit, ah ouais, c'est tellement mieux comme ça. Donc, voilà, j'aime beaucoup. C'est un petit détail, mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ça. Et nickel pour tous les jours. Ça ne va pas vous assécher. Ça va juste clarifier la peau. Il n'y a pas de grains. Je mettrai les liens en barre d'infos pour vous. Donc voilà, si vous voyez que c'est disponible, sautez sur l'occasion parce qu'il y a énormément de ruptures de stock. Maintenant, c'est fait. La zone est clarifiée. Qu'est-ce que tu fais, Gloria? Moi, personnellement, quand je vais dans l'eau et qu'après, je n'ai pas de quoi m'hydrater, etc., et c'est mort. Je vais me gratter comme pas possible. Je suis vraiment assise. J'ai traité la question. J'ai mis les hypothèses. J'ai mis les cependant. Tout ce que vous voulez pour pouvoir trouver la routine ultime et essayer de trouver la source du truc qui me donne les gratis-grata. J'ai étudié la question. Pas les trucs qu'on entend sur YouTube, machin, qu'on voit dans les petits forums ou quoi, non. Oh my God! I can't. Get out. Moi, j'ai été sur le terrain pour tester, Gloria, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui va. J'ai une question. Après avoir nettoyé votre visage, vous faites quoi? Il n'y a pas tout le monde qui le fait, tu vois. Normalement, vous appliquez un tonique. Le tonique, c'est quoi? Non seulement ça va retirer voilà, les petits résidus qui ne sont pas partis avec le savon. Ça, c'est vraiment quand vous vous maquillez ou autre. Mais même si vous ne vous maquillez pas, vous allez voir que si vous passez votre tonique, ça va vous faire une sorte de double nettoyage. Donc ça, c'est l'une des fonctions du tonique. Le numéro 2, c'est quoi? Ça facilite ce que vous allez appliquer par après. Ça crée une sorte de fluidité qui va permettre ce que vous allez appliquer par après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est l'une des fonctions aussi du tonique. Vous voulez faire exactement pareil pour Poupou, pour Poulani. Quel tonique, Gloria, je peux appliquer? L'aloe vera, tout simplement. C'est quelque chose de super fluide. C'est là où je faisais l'erreur. C'est pas suffisant pour pouvoir hydrater, mais c'est bien pour pouvoir faire une sorte de chemin pour créer... Là, on est d'accord que je parle de Poulani, ok? Pour créer une sorte de chemin et accepter et accueillir ce que vous allez appliquer par après. Tu vois? Donc moi, personnellement, je trouve que l'aloe vera, ça aide beaucoup et en même temps, ça calme la zone. C'est très connu pour ça, ça apaise.
Hey, je suis passionnée, hein. Je suis passionnée, les gars. Je vous ai dit, moi, je vais pas étudier la question comme ça, vite, vite. Hein. Donc, aloe vera, on laisse un peu sécher, mais pas trop. Ça doit être vraiment mi-mouillé, mi-sec, comme ça, tu vois. Et c'est là que tu vas appliquer la crème. La crème, Gloria, quelle crème utiliser? Ça dépend de vous. Ça dépend vraiment de vous. Donc, si vous vous dites, ok, je teste ça et vous sentez que c'est trop épais, tu changes. Tu prends quelque chose d'un peu plus soft. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les choses un peu plus soft. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça respire plus, que je ne bouge pas mes pores en appliquant des trucs trop épais. Après, il y a des personnes qui aiment tout simplement utiliser l'huile de coco, il n'y a aucun souci, mais personnellement, moi, l'huile de coco et ma peau, là, ça ne va pas, ça ne passe vraiment pas. Même pour mes cheveux et tout ça, l'huile de coco, c'est pas pour moi. Donc, j'ai été vraiment dans cette aventure de trouver la crème parfaite pour Poupou. J'ai montré ça à mes papayas sur Instagram et je leur ai dit, écoutez, voilà, je vais tester ça et je vous en dirai plus par après. Donc, je ne peux pas prononcer ce que c'est, le terme le plus commun, parce que je vais peut-être être censurée, mais son autre nom, c'est CBD. Je me suis dit, ah, c'est spécial et tout, et j'ai bien aimé, pourquoi? Parce qu'il est noté crème anti-réparatrice pour tout ce qui est eczéma, psoriasis, dermatitis, je sais pas comment dire ça en français, je suis désolée. Donc vraiment toutes les conditions, on va dire, qui viennent avec le fait, avec les poils et les boutons, tout simplement, tu vois. Donc j'étais un peu interpellée, je me suis dit, tu sais quoi, je vais quand même tester. Donc j'ai testé ça, les gars. Je vais plus jamais m'en séparer. Mais maintenant, je vous montre la crème, c'est pas vous allez vider les trucs rupture de stock. Je vais d'abord faire le stock moi-même. Eh, c'est ma vie, cette crème, elle est vraiment trop trop bien. Après, l'odeur, bah, ça a une odeur pas vraiment de CBD, tu vois. Ça a une odeur, on va dire, d'un truc un peu médicinal, mais pas trop non plus, tu vois. J'aime beaucoup ça. Et ça a une texture un peu... c'est un peu épais, mais ça fond en étant quelque chose de huileux, comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Je fais. Ou alors, si vous vous dites, non, Gloria, moi, je veux quand même quelque chose d'un peu plus épais, surtout les premiers jours, et je peux comprendre. Vous avez des beurres disponibles. Encore une fois, je fais ma petite... je vais caler mon petit truc ici. Vous avez des petits beurres sur Japade & Co. Et à vous de regarder un peu le beurre que vous préférez. De tous les beurres qu'on a, celui que je vous recommande personnellement, post-épilation, c'est celui à la papaye. Il est super riche en acides gras et en même temps, ça ne laisse pas cet effet trop étouffant sur la peau, comme par exemple le beurre de karité qui est un peu plus épais, tu vois. Après, malheureusement, il ne sent pas comme le beurre de mangue, par exemple, où c'est vraiment sucré. Mais ça, niveau effet, 10 sur 10. Voilà, là, vous avez le grand format. Et là, bon, j'ai pris un beurre de mangue, c'est pas pareil, mais vous avez un petit format, comme ça, vous avez une petite idée. N'ayez pas peur, parce que je vais encore vous montrer un produit. Vous allez probablement vous dire, ouais, c'est tous ces produits, etc. Mais c'est chaque fois en petite quantité. Et chaque produit, en fait, a sa fonction, tu vois. Et tout ça fait en sorte que vous ayez une routine juste nickel. En tout cas, c'est ma routine à moi, ok? Alors, moi, ce que je vous recommande aussi par après, ça, c'est vraiment si vous allez, par exemple, au soleil ou à la piscine, ou des trucs comme ça, parce que vous avez quand même exfolié. Qui dit recours à l'exfoliation chimique, etc., dit protection. Même quand vous n'avez pas exfolié, il faut toujours protéger votre peau. Donc moi, j'utilise celle de La Roche-Posay Antelios 50+, jamais moins que 50. Si par exemple, vous avez déjà des taches dues aux boutons ou quoi, vous en appliquez, ok? C'est très important, sinon vos taches vont noircir au soleil. Vraiment optionnel pour en bas. Quand c'est plus exposé au soleil, à la plage, etc., vous voulez faire en sorte d'en appliquer. Donc peut-être que vous n'avez plus de skin doctors, hein, on va supposer, et vous commencez à avoir des boutons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter les boutons vraiment de manière locale avec de l'acide salicylique. Et si vous voyez vraiment de gros boutons et que vous avez le temps et que vous y arrivez, n'hésitez surtout pas, bon, ça c'est vraiment une solution, on va dire une solution Z, à prendre une pince à épiler et à retirer tout simplement les poils. Parce qu'en fait, un poil incarné, c'est quoi? Ben, c'est un poil, je vous apprends rien, mais c'est un poil incarné, ça veut dire qu'il est à l'intérieur, donc il suffit juste en fait de le retirer et normalement ça devrait aller. Donc voilà, c'est juste ça. Quand vous voyez un bouton, c'est qu'il y a un poil sous la peau qui n'arrive pas à percer, et à ce moment là il faut exfolier pour dégager la peau pour que le poil puisse sortir. Ou alors ça peut être des boutons dus au rasoir, hein. Si jamais vous utilisez le rasoir, franchement, sœur, je te respecte,
Genre, tu fais partie d'une autre catégorie de femmes, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis pas dans cette catégorie. Moi, j'essaye d'être comme toi, tu vois. Si vous utilisez ça, ben, des fois, vous pouvez avoir des boutons ou des micro-coupures dues au rasoir, tu vois. Et à ce moment-là, ça sert à rien de chercher le poil incarné. C'est juste une brûlure de rasoir. Parce que des fois, il y a des personnes qui utilisent peut-être des lames de mauvaise qualité. Voilà, c'est pour ça que vous voyez toutes sortes de rasoirs sur le marché. Non, ils ne sont pas tous pareils. Il y a une certaine qualité qui fait que vous aurez un meilleur rasage, que ce soit un rasage de près. Les personnes qui aiment cet effet hyper lisse, hyper épilé, genre peau de bébé, etc. Si vous pouvez l'obtenir, c'est vraiment top, hein, avec les petites astuces, etc. qui existent. Mais si vous n'y arrivez pas, s'il vous plaît, essayez de changer votre normalité. Parce que je sais qu'il y a tellement de photos comme ça sur Instagram et on est habitué à voir ça, qu'on se dit qu'on doit avoir ça, tu vois. Mais il y a des personnes peut-être qui ont le poil assez épais, assez dur, etc. qui ont des poils incarnés, peu importe ce qu'elles font. Et donc voilà, c'est un peu plus compliqué et moi personnellement je vous encourage à quand même vous mettre en maillot quoi qu'il arrive, ok? Mais là normalement avec cette routine là ça devrait au moins atténuer ce que vous avez, ok? Donc voilà, c'était une petite parenthèse assez importante. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. C'était ma routine de poupou, ma routine punani. J'espère que vous allez avoir une punani aussi fraîche, scintillante, lisse et tout ce que vous voulez, en tout cas si vous le souhaitez. Tous les liens des produits que je vous ai montrés seront en barre d'infos. Regardez ça. Et ensuite, bah, à la prochaine les gars. Bisous, bisous.